Allez, salut à tous, bienvenue aujourd'hui dans ce sixième numéro de ce Let's Play sur Uncharted 4. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour deux nouveaux chapitres. On se retrouve pour le chapitre 11 et 12. Le chapitre 11 se nomme comme le nez au milieu de la figure. Au milieu de la figure. J'espère que vous êtes prêts. On est parti pour Uncharted 4. Voilà, on se retrouve ici pour l'histoire où on se retrouve directement dans la ville où j'ai baissé un petit peu le son du jeu. Qu'est-ce que vous faites? J'ai baissé un petit peu le son, j'ai baissé un petit peu la musique. Ce serait mieux parce que j'ai remarqué que c'était un petit peu trop fort dans les derniers épisodes. Alors, je sais pas où je vais, mais juste pour vous dire. C'est magnifique. Merci beaucoup, monsieur. Régalez-vous bien. Et parlez-en à vos amis. Mangez une pomme. Tu vas prendre son temps pour manger cette pomme. Allez, vas-y, mange ta pomme. Putain, ouais. Le truc du détail, quoi. Le mec, il mange une pomme. Il est content, quoi. Il fait un sourire qu'il mange une pomme. Moi je mange des bonbons moi pendant que je fais les let's play. Bon, quand c'est cinématique hein, parce que. On a même pas un trophée quand on mange une pomme, un truc comme ça? Hey Nate, je veux pas que je t'en achète une? Sully, t'es pas bien de porter une chemise pareille. Oh, cinglé mais beau. Ah, c'est dommage, ça aurait été marrant qu'on puisse en acheter une pour qu'il craque. Ça sent super beau ici. Ah, attends, il y a un truc là. Il a raison. Ça sent très bon. C'est beau. Ça sent très bon et ça donne faim. Alors. On va visiter un petit peu. Attends une minute. Regardez, c'est rien par là. Non. Par contre, là, il y a une fenêtre. C'est-à-dire, on va. Normalement. Hey, regarde. La fenêtre là-bas, elle est cassée. Non, c'est vrai? Toi aussi t'as remarqué? Mais avant, on va regarder la porte. Ah, nous y voilà. Voilà, fermé. Il va falloir qu'on se faufile à l'intérieur. Non. Oui, c'est ce que je voulais dire, pas se faufiler. Bon, je me doute bien, c'est la fenêtre. Hein. On a déjà remarqué, on a déjà trouvé. Bon, je visite, hein, je regarde un petit peu. Parce que franchement, je trouve ça magnifique. Oui, je sais, indice. J'ai trouvé ton indice. Excusez-moi. Eh, c'est con, il peut pas parler aux gens. C'est marrant. Quelle sauce ouais. Voilà, il pousse papy. Allez, c'est parti. On va grimper. Grappons, 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 grappons. Non. Non. Attends. Ah, t'es de là. Non. Ah, attends. Là. Bah. Ah, bah voilà, je suis con. Hey Sully, je pense qu'on peut passer par là. C'est parfait. Ah oui, c'est vrai, le frère, il est parti. Tout va bien pour toi? T'avances à ton rythme et moi j'avance au mieux. Ouais, au moins, on a le temps d'apprécier cette belle vue. Ça, j'avoue, il y a une putain de belle vue. Voilà, on y va est. Faire le tour des lieux. Ah, je sais pas combien de temps va durer encore ce let's play. Je sais, les vidéos durent très longtemps, elles durent un minimum 1 heure et demie. J'en suis désolé, je peux pas couper plus. J'ai essayé de me couper au maximum dernièrement, mais je peux pas faire mieux. Hein. Regardez, il y a un truc à récupérer là. Voilà. Le sceau d'Edward England, comme indiqué sur la carte. Bon, qu'est-ce qu'on cherche exactement?
Ah, bonne question. Alors, y a-t-il à voir de l'action? C'est la grande question. Simplement gigantesque, ce clocher. Oui, ça tu l'as dit. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Tiens, qu'est-ce que tu paries? Scorpion, un type avec une espèce de... Ce sont les signes du Zodiac. Là, c'est le lion. Ah, et là, le taureau. C'est moi. Et on a aussi quatre cloches, tout là-haut. Et ces trucs-là, au niveau du sol, ça ressemble à des serrures, non? J'ai compris. Allons sonner les cloches. D'accord. On est au bon endroit, c'est sûr. Appelle ça. Tout de suite. Scorpion, Verseau, Lion. Répondeur. Salut Sam. Ton frère et moi, on a trouvé la bonne tour, tu me rappelles? Pas très performant le réseau dans cette ville. Allez, pas la peine d'attendre plus longtemps. Allez. On monte, on monte. Ah, j'espère que c'est ça, pas trop... Je reviens tout de suite. Ok, alors il faut aller par là. Après. Il faut aller là. Oh là là. C'est pas croyable. Et t'as vu ça, Sully? L'horloge marche encore. Ouais, j'avais remarqué. Essaie de pas te retrouver coincé dans tous ces engrenages. C'est clair. D'accord, faut aller là. Attends, attends, voilà, voilà. Voilà. On va remonter là. Après, il faut aller là, sauter. Faut descendre alors. Ah d'accord, faut réussir en fait à monter là-haut. Alors attends. Hop. Ouf. Oh là 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 là. Ouf. Tout va bien? Ouais, pas de problème. Alors, maintenant. Alors attends. D'accord, faut aller là. D'accord. Hop, hop, et voilà. Ici, tiens, allez, il est là. Je suis sorti avec une lionne une fois. Allez, 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 allez. Ah, merde alors, c'est pas cool pour mes oreilles. Non, t'aurais dû mettre des bouchons, ma poule. Ça n'a eu aucun effet, Nate. Merci, ça m'aide beaucoup. Merci. Il faut monter encore plus haut. Allez, on y va. Allez. Pas grave, on les fera tous. Hein. Scorpion. Tu sais, certains, c'est le taureau. La vache.
serrure du scorpion vient de se débloquer. Ok, je passe à la deuxième maintenant. Vous avez trouvé une entrée dans le journal. Je passe à la deuxième maintenant. D'accord, on a fait scorpion. Ok. Il faudrait monter là-haut. Alors comment? Non. Ouh, ça va être chaud ça. Ça me donne envie de vomir ce truc. Ouais. Putain, les trucs sont encore plus chauds que dans les épisodes précédents. Okay. Oh putain, je croyais qu'il allait tomber dans le vide. Ouh, j'ai eu chaud. Voilà. Alors, l'autoroute. Des nouvelles de Sam ? Je suis sûr qu'il va bien. Ouais, bah je te l'ai dit. Hey, essayez-en une autre parce que là il se passe rien. Putain, même pas le taureau, me dit pas celle le lion quoi. Ma maman elle est lion. Alors, tout le monde s'en fout, mais je le dis quand même quoi. Le scorpion est là. Le taureau. Ok, c'est le lion, il est là-haut. Putain, faut monter comment en haut? C'est le lion ça? Faut faire ça. Lion. Sympa. Après ça, je pense que c'est le Verseau. Putain, il est où le Verseau? Taureau, lion, scorpion, Verseau. Putain, mais il est où? En fait, j'ai tout fait pour rien. Oh putain, il est où? Putain, attends. On va recommencer. Alors. Putain, attends. Je remonte. Putain, merde. Indice. Faites sonner. Oh putain, il est là, le Verseau. Oh, il est là. Putain, il est juste dessous. Allez, on y va. Il était juste là. Et moi qui croyais qu'il était là-haut. Non, en fait, il était là. Ok. Non, mais... Voilà. Le Verseau, il est là. J'ai trouvé le Verseau.
Maintenant c'est le lion. Ah putain, c'est numéroté. Alors le lion, il est là-haut. Le lion, il est... Il est... Il est par là. Attends, le lion va remonter. Voilà. On va monter. On va monter. Voilà. Le lion. Le lion. Voilà, comme ça. Il est là-bas. Ok, en fait c'était par ordre et moi comme un con j'ai pas regardé, comme je regarde jamais le carnet, hein. Ça fait chier pour rien. Voilà. Le lion. C'est le taureau. Et le taureau, il est dessous. Et le taureau, il est... Mais il est... Il est là. Il est là, le taureau. Bah attends, attends, on va faire un truc. C'est que... Attends. On va passer par le scorpion. Voilà. Normalement, on va aller au lion. Voilà, on peut aller au lion en passant... On peut aller au taureau en passant par le scorpion. Voilà, allez, voilà. C'est tout un bide ça. Le taureau. Bon, s'il te plaît, il est pire. Merci. Ah, des escaliers. Ah, déjà c'est mieux. Ok, alors tu montes tranquillement. Voilà. Ok. Ok, là, y a un truc à activer. Attends, faut aller où? Faut aller là-haut? On est d'accord?
là-haut, d'accord. Ouf. Maintenant, je passe par là. Alors. Hop. On peut changer. Comme ça aussi. Comme ça. Ça, c'est une sacrée vue. Ouh. Crochet Nathan. Allez. Approche-toi. Attends, on va encore faire tourner un petit peu là. Oui, parce que j'ai mis 10 minutes à comprendre comment ça marche hein, en fait. Stop. Voilà. Ah bah c'est mieux. Voilà. Allez, monte. Monte mon petit. Monte, tu peux le faire mon petit. Ah, te voilà. Alors. Encore l'escalade, putain, allez. Attends, hop. J'espère vraiment que tout va bien pour toi, Sam. Voilà, faut aller là. Faut aller là. Parce que si on va de l'autre côté, ça va, on va être baisé. Voilà, bien sûr, faut faire le tour. Bah bien sûr. Faut faire le tour, hein. C'est logique. C'est bon, Sully, j'ai réussi! Il arrive à m'entendre d'ici? Ça va faire du bruit! Merde! Sully, attention! Désolé, la poignée s'est cassée! Ok, évite de me faire tomber d'autres trucs sur la tête, s'il te plaît! Va falloir que je la fasse sonner moi-même. Eh ben, on va la faire sonner! Allez, Alouette gentille, Alouette. Ah d'accord. Wouh. Eh bah dis donc. De Dieu. Tiens, Sully. Oh merde. Bon, au moins j'ai réussi à ouvrir la porte. Bah pour ouvrir, tu l'as ouvert, hein. Tout va bien.
Je sais pas encore. Et toi? Je suis sourd. Allez, voyons ce qu'Avry nous a réservé de beau. C'est bon. Ouais. Regarde. La pièce. Tu la veux? Ah, bien sûr, pourquoi pas. On descend voir? Je croise les doigts pour qu'on tombe sur les tonnes d'or et de bijoux. Il pense qu'au fric, lui. Tout va bien? J'ai fini de fouiller ma tour. J'ai rien trouvé. Ouais, bah... Nous, on est au bon endroit, y'a aucun doute. Viens vite nous rejoindre. Ah bon, t'es sérieux? Ok, ok, j'arrive. Il arrive. Cool. Bon, alors on est sur bon chemin, hein. Bon, c'est cool. Celui, je suis là, t'inquiète. Allez, on va défoncer la porte. Oh là. Eh, ce serait pas nos gars là? Ouais. Henri Avry, Thomas Thieu, complice de tout. Les fondateurs. Ils ont fondé quoi? La pire de toutes les chasses au trésor. Ce sont les sceaux d'Avry et de Thieu. Mais ils sont légèrement différents. Ouais, il y a les motifs d'étoiles dessus. Et ils pivotent. Dans quel sens je dois les tourner? Il y a beaucoup trop de possibilités. Et si on allait voir où conduit cette porte? Exactement. J'ai encore trouvé un trésor ici. Tiens, regarde, j'avais raison. Baldridge, Bonnie et Condant. Magnifique. Mais qu'est-ce qu'ils font là exactement? Allons le découvrir. Ah, quelle moustache. Presque aussi impressionnante que la tienne. Oui, pas mal. Ah oui, c'est vrai, Condant était appelé Billy le Manchot. Il devait avoir une fausse main. Tiens, des étoiles. Ce sont les mêmes que celles sur les sceaux d'Avry et de Thieu dans l'autre salle. Ouais, t'as raison. Là, il y a un autre truc. Voilà encore un de ces motifs d'étoiles. Ouais, mais celui-là est un peu différent du premier. Ah, alors, ouais. 3, vu, dis donc. 2... Si, tu vois, je suis pas seulement qu'un beau gosse. 3, 2... Bonnie et Thérousse. Ah ouais. Et là, c'est 3 et 2. D'accord, 3, 2 et 3, 2, 2. Le sceau d'Avry et celui de Thieu. Les étoiles dessus s'alignaient, tu te souviens? Je parie que celle-là aussi. Alors normalement... C'est comme ça. Ok. Alors normalement c'est comme ça. On va là-bas maintenant. Voilà. On fait ça. Lui, il doit être comme ça. Le cheval comme ça, et voilà. Et un nouveau passage. Qui c'est tout cela? Eh ben, c'est... on dirait... Ouais, t'en sais rien, quoi. Et je te signale qu'il y avait beaucoup de pirates à l'époque. Alors, on est coincé? On n'est pas coincé. Arrête. Ton téléphone. Ouais, c'est l'appel à un ami? Pas loin. J'appelle Sam. On prend des photos. Voilà. Elles sont vraiment très belles, ces peintures. T'as remarqué? Si jamais on trouvait pas le trésor, on pourrait toujours les vendre à un musée. Concentre-toi déjà sur les étoiles. Ok, c'était pour dire. William Mays. Américain? Ouais. Il y a un truc à regarder. Comme ici. Thomas Thieu. Fait des dessins maintenant. Ouais. T'es encore dans la tour? Je viens juste de descendre là. C'est quoi la photo que tu m'as envoyée? Je t'expliquerai plus tard. Pour l'instant, dis-moi juste qui tu vois. Alors déjà, les dauphins, c'est Richard Want. Ensuite, le trident, c'est Joseph Farrell. Et les deux mains avec la perle, c'est William Mays. Super. Reste dans un endroit où tu captes, au cas où j'aurais besoin de toi. Mais Nathan, t'as trouvé le trésor? Non, pas encore. Mais j'ai un mécanisme à résoudre. Je te raconterai.
Alors, lui. Un globe. Ce Wand, ça devait être un érudit. Ah, là, Richard Wand. Yeah. Il était le capitaine du Dolphin. Tu peux m'aider, celui? On dirait que lui et Baldridge, ils faisaient un concours de la plus belle moumoute. Merci. Putain, ils sont... c'est magnifique, c'est franchement. Mais qu'est-ce que ça peut bien faire? Bah, ça me gêne. L'autre, il est... Oh, regarde la tête de Farrell. Il a pas envie d'être là où il est. Merde. Putain, à chaque fois, je me trompe. Voilà. Alors, on va... Il faut aligner les trucs. Il en manque un. Je fais les trois. Des livres, un globe. Ce Wand, ça devait être un érudit. Il y en a un que j'ai pas fait. C'est lui, alors. Ah. Voilà, lui je l'avais pas fait, bah oui. Là maintenant, on regarde. Voilà. Oh putain. Alors, examiner. Ok. On retourne à l'indice. Voilà. Très casse-couille, moi je vous le dis. Ah d'accord, je m'étais trompé d'un sens. Oh bon, c'est pas grave. Alors, c'est qui ces pirates? Ben... Franchement, ça me surprend beaucoup que tu les reconnaisses pas. Mais si, je les reconnais. Je veux juste vérifier que Sam aussi, parce qu'il aime se sentir utile. C'est juste ça. Ah ouais, c'est juste ça. Ça devient long quand même, hein. Merde, qu'est-ce qui s'est passé ici? Je dirais que c'est une torche qui s'est décrochée. Bien, on va voir ce qui reste. Je reconnais pas ce type. Il a l'air beaucoup plus jeune que les autres pirates. Putain, y'a pas le Ticari? En voilà un. Là. Tiens, Sam vient de me répondre. Ah, tu vois celui? Apparemment, Sam n'a pas toutes les réponses non plus. C'est moche de jubiler. Je sais. On peut se concentrer sur les peintures. Allez, on fait ça. Pas de nom. Ce type est habillé comme un mort. Non. J'ai trouvé les étoiles, mais qui tu peux bien être? 4, troisième. Yazid Al-Basra. On dirait un indien. Presque. Un mogol. Attends, mais c'est pas les mogols qu'Avry a dépouillés? Code d'honneur des voleurs. Ouais, comme s'il était toujours respecté. Et où? Étoile! Étoile! En voilà trois. Ils sont là. Ils se donnent le rouge. Et le dernier? Edward Inglen. Petit, ouais, mais costaud. Ici. Alors. Bon. D'accord. Lui. Commence. Comme ça. Bingo. C'est trop fort. C'est trop fort. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je sais pas trop encore. Tu veux peut-être l'envoyer à Sam? Vraiment? Quoi? C'est pas moi qui dis que c'était l'expert en piraterie. Mais c'est toi qui vois. En voilà déjà une. Enfin, on va tous les faire. Et yo, on partage sur Facebook. La dernière. Voilà, on va voir ce qu'il va en tirer. Tu sais, ça me fait penser à... Attends. Qu'est-ce que tu fais? T'as juste pris des photos. Prends ça.
Ceux qui passaient ces épreuves, ils avaient sûrement pas de smartphone sur eux. Oh, t'es sûr? Alors, dans ce cas, ils avaient qu'un moyen de trouver l'indice suivant. Ça? Des indices? Ouais, fais voir. Et voilà. Oh, oh, oh. Alors, ici, ça se pourrait bien être des alizés. Ouais. Et ici, on dirait des latitudes. Ouais. Si je comprends bien, va falloir qu'on remette les voiles, matelot, c'est ça? Quoi? Prodeus quad licentia. Non, non, c'est pas possible. Quoi, pas possible? Oh là là, c'est tellement évident. Nate! Pourquoi ça m'a pas sauté aux Arrête yeux? Arrête de jouer les mystérieux, c'est bon, hein? Dis-moi plutôt de quoi attends, tu parles. Attends, attends. Sam, t'as eu les photos? Quelle surprise! Je crois appeler sur le téléphone de Sullivan et deviner qui décroche. Ça va, Nate? Salut, Rafe. Ça fait un bail. Comment t'as eu ce numéro? Sullivan l'a laissé sur une serviette? Si seulement. Ça aurait pu me coûter que quelques verres de rhum. Mais non, au lieu de ça, j'ai dû payer le prix fort pour vous trouver. Ah. J'espère que t'as pas trop dépensé dans toute cette histoire, parce que la concurrence est rude. Ouais, c'est vrai que t'as pas trop mal assuré jusque-là. Mais tout ce qui compte, c'est de mettre la main sur le trésor d'Avry en premier. Est-ce que tu me lances un défi? Hey. Nate, tu sais que je suis du genre joueur, mais ma partenaire... Elle, elle est plutôt du genre à... se dispenser de prendre des risques inutiles. Wow. Rafe Adler, qui reçoit des ordres de quelqu'un d'autre. C'est fou ce que les temps changent. Écoute, Nate, je vais te faire une offre qui sera valable qu'un temps. Tu laisses tomber. Tu rentres et tu vis ta vie. Et je suis prêt à tout pardonner. En souvenir du bon vieux temps. Aussi tentant que ça puisse paraître, Rafe. Je t'avoue quand même que c'est pas trop mon genre de renoncer alors que je suis en tête, tu vois. Très bien. Rodeus quod licentia. Pour Dieu et la liberté. Très belle photo, Nate. Bel angle de vue. T'as piraté nos téléphones. Tu m'as volé la foi! Écoute, Nate. Si t'es à moitié aussi malin que tu le crois, tu vas accepter mon offre. Tu décides quoi? Ça m'a fait vraiment plaisir de te parler après tout ce temps, mais je dois prendre cet appel, alors? Attends, Nate, raccroche pas! Nate! Quoi? Dis-moi, t'es au courant que sur les téléphones actuels, il y a des puces GPS, hein? On se voit bientôt, mon pote! Laisse-moi deviner, des types armés vont débarquer dans le coin. Sam. Pour Dieu et la liberté. Nathan, tu sais ce que ça veut dire? Sam, écoute-moi. Tire-toi de là où tu es et détruis ton téléphone. Qu'est-ce qui se passe? Rafe nous a localisés. Oh, Sam? Sam! Bon sang. Hé! Je t'en paierai un autre. Ça va chier! Pas de l'action! Bon, alors. Faut aller où maintenant? Voilà, il faut avoir de l'action! Moi, vous le dis! Ça pue, ça pue. Et voilà! Bonjour! Ah, c'est le fameux passage. C'est le fameux passage à l'E3 qui avait bugué. Je crois que c'est la tour de Sam. Aucun doute, c'est bien la tour de Sam. Allez, viens. Par ici. Allez, on y va. On fonce. Pardon. Excusez-moi. Je pense que Rafe sera là dans combien de temps? Ce que je sais, c'est que je vais pas l'attendre ici. Allez, on y va. On va aller buter les mecs. Ce qui m'éclate, c'est que les jeunes sont fous complètement, quoi, il y a des explosions et tout. Voilà. Grenade.
Bah ça on a recyclé, oui ça tu peux le dire. Baraque, faut vendre la baraque. Oui. Ouf. Escalier. Ouf. Putain, je crois que j'ai crevé. Allez, c'est parti. Comment on peut rejoindre ça? On continue à descendre la colline. Formidable. Hey, en v'là d'autres. Oh, de Dieu. Oh, oh. Voilà. Bonjour, enfin dit tout. Voilà, attends. Voilà. Ça aurait été plus marrant en moto. Vous pensez pas? Restez pas là! Oh mon Dieu! Oh, 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 attention! On passe par là. Passe par là. Hey, c'était du linge propre. Bah ils vont devoir le relaver. Ça ferait la mire. Attaque, continue à descendre. Continue à descendre, bah qu'est-ce que je fais? T'as l'autre. Tu veux prendre le volant? Ah, tu t'en sors comme un chef. Ah, tu vois, j'ai réussi. Non, t'as pas réussi. On est dans la merde. Tu peux pas nous lâcher. Ok, par là. Oh, ça, ça, stop. Allez, on va cacher là que c'est tête. Tu vas pas te faire ça, là. Qu'est-ce qui se passe là? Allez, allez, on va. Alors, on va aller par là. C'est un chemin. Je crois que j'avais. Coupez par là. Courez, courez, courez. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Tiens, prends cet escalier. Je m'étais douté un petit peu, hein. Eh ben, Rafe, tiens vraiment à se débarrasser de nous. Tac, à droite ou droite. Je crois qu'on les a semés. Hey, Nate. Ouais. On pourra plus jamais revenir dans cette ville, t'en es conscient? Ajoute-la à la liste. Mais ça... Sérieux? 4-4, pourquoi tu fais pas le tour? Accroche-toi. La tour de Sam est en bas de cette descente, continue d'avancer. Ta gueule. On va voir si ce camion peut passer par là. Ah, c'est pas vrai! Allez, coupe à moi! Non, attends! T'inquiète pas, je gère! Je gère, je gère! Je gère plus du tout! Ah, elle a fait du tout terrain, hein! On y est presque! Essaie de repérer Sam! Là! Je crois que c'est lui! Juste là! Putain, il a en moto le mec, quoi! Accroche-toi! Ah, et tu crois que je fais quoi? Comment on peut l'attendre? J'en ai aucune idée, mais... Et surtout en sorte de pas le perdre de vue. Tu crois qu'ils ont envoyé assez de types à nos trousses?
Bah, étant donné qu'on est toujours en vie... Allez, on y va. Oh putain. Attends, hop, on va passer par là. Putain, merde, on va le perdre. Ah bah comme c'est pour une petite douche. Wouh. Oh putain, il doit avoir mal hein. Allez, monte. Aïe. C'est une blague. Allez. Ouh, putain. Allez, on peut monter. On monte. Voilà, on y est presque. Allez. Oui. Allez, on va faire les pneus. Oh putain. Oh merde, j'ai plus d'armes. Putain, merde. Putain, mais ils sont combien là-dedans? Putain, je sais pas comment ils sont. Dégage de là. Voilà. Allez, allez. On va attraper l'autre. Allez, on y va. Allez. Ouh. Ouais, je le renverse. Saute. Saute. Salut, frangin. Approche-toi. J'essaie. Ok. Allez, saute. Ça monte dans cette putain de bagnole. Je suis plus rapide, arrête de discuter. Attention. Ah.
Oh putain, il va cramer, il va cramer. Il faut que je me sorte de là. Putain, il est trop fort ce mec. Vous avez du mal à trouver comment faire, mais bon, j'ai réussi. Allez, mène-toi. Fonce. Tiens, prends ça. Cool. On peut niquer des gens. Oui. Putain, ça m'a fait une 7 dans le dos, dans 3 là, je suis plus à quel. Ah, l'expédition elle a mal tourné hein. Accroche-toi Nathan. Sam, il est juste derrière nous. Un civil très facile. Es-tu perdu? Tu l'as dit. Ça va? Ouais. Allez, on bouge. Complètement taré, les mecs. What? On dirait que la voie est libre. Ouais. Tant mieux. Rodeus quod licentia. C'est carrément simple comme code. Pour Dieu et la liberté, c'est leur devise. Toutes ces références au paradis, dire qu'on a raté ça. Je suis content de voir que vous allez bien. On va beaucoup mieux que bien. On a trouvé Libertalia. Libère quoi, t'as dit ? Libertalia. Apparemment, Avry a fondé la légendaire colonie de pirates. Ça tenait plus de l'utopie que d'autre chose. Ouais, mais le trésor dans tout ça ? Ben, si on en croit les récits, cet endroit aurait servi de refuge à des centaines, peut-être même des milliers de pirates. Et on dit qu'ils partageaient tout. Possessions, ressources... Argent ? Ils gardaient tout dans un seul et unique bâtiment communautaire. Ok. Alors... Où il se trouve ce sanctuaire pour pirates communistes? Ici même. Sur cette île, au nord-est de la baie du Roi. Et Raif a une copie du parchemin. Oui, bah le temps que Raif le déchiffre, on sera déjà en route pour Libertalia. Je vais vous dire, ce magot, c'est comme s'il était déjà à nous. Oups. Comment ça se passe en Malaisie, Nate? T'aurais pas un peu dévié de ta route? Elena, c'est pas du tout ce que tu crois. Vraiment. Parce que vu de l'extérieur, on dirait que tu t'es lancé à la recherche du trésor d'Henri Avery. Et si on en juge par le nombre de soldats de Shoreline qui traînent en ville, je suis à peu près sûre que vous n'êtes pas les seuls sur le coup. D'accord, bon. En fait, c'est exactement ce que tu crois. Mais je peux tout expliquer. Écoute, ça va te sembler dingue. Et c'est toujours ? Ben, pour commencer... Je te présente Sam.
Sam Drake. Mon grand frère. Salut. Je suis désolé. Je croyais qu'il était mort dans une prison du Panama. Mais comme tu vois, j'étais à côté de la plaque. Il a moisi là-bas 15 longues années, tout ça à cause de moi. Et le type qui l'a fait sortir réclame un gros paquet d'argent, c'est pour ça qu'on a tant besoin du trésor d'Avery. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on l'a trouvé. Il nous attend sur une île au large de la côte. Ok, attends, temps mort. Ce job, en Malaisie, ça a jamais été que du vent. Bah, tu sais... D'accord. Non, attends, attends. Elena, reviens. T'es allée beaucoup trop loin. Je t'assure que je voulais t'en parler. J'en ai ma claque. Je voulais te le dire, mais je ne savais pas comment. J'en sais rien en le disant. Il fallait que je te protège. Te fous pas de moi, Nate. T'avais surtout pas le cran de me le dire en face, encore une fois. Ah, je savais que t'allais réagir comme ça. Comment t'aurais réagi, toi? Pendant des semaines, tu m'as menti. Si tu t'étais fait tuer, je ne l'aurais très certainement pas su. Et le clou du spectacle, c'est que t'as un grand frère. Qui es-tu ? Arrête. Tu me connais, je suis toujours le même. C'est pas pareil cette fois. C'est pas vrai. Il fallait que je le tire d'affaire. J'en ai rien à faire de ce foutu trésor. Ce regard que t'avais quand t'es arrivé dans la chambre. C'est une chose de me mentir, mais le plus embêtant, c'est que tu te mens à toi-même. Bon, j'ai un avion à prendre. Surtout, t'en fais pas pour moi. Hey. Mais qu'est-ce que tu fous? Va la rejoindre. On n'en a pas terminé. Bon, on devrait peut-être arrêter. Et pourquoi ça? Parce qu'il y a peut-être un meilleur moyen pour sauver Sam. Comme quoi? On pourrait peut-être lui trouver une nouvelle identité. On pourrait lui trouver une planque. Il a passé les 15 dernières années en prison. Pas question qu'il se terre dans un trou. Bon, d'accord. Toi, tu cours après ta femme. Sam et moi, on se dirige vers Libertalia. Sans moi? Vous allez vous faire tuer en moins de deux. Tu crois ça? Écoute, fiston, ça fait un paquet de temps que je suis dans le métier. Alors je crois que je peux quand même... Hé, tu veux te rendre utile, Sullivan? Va garder un œil sur elle. Si c'est ce que tu veux. T'as besoin d'un coup de main? Ça va. Va faire tes bagages. Nathan! Ouais? Terre en vue! Qu'est-ce que tu dis de ça? C'est pas mal. Tiens-moi ça deux secondes. Avec tout ça, toutes ces aventures dont on s'est sorti in extremis, je crois qu'on n'a pas encore pris le temps de se poser, prendre la mesure de tout le chemin parcouru. Hein? Sic parvis magna. Sic parvis magna. Ouais. Écoute-moi, petit frère. Elle finira par s'en remettre. Avec un trésor comme celui-là en poche, elle t'en voudra pas. J'en suis pas sûr.
Je crois que j'ai peut-être... trop souvent fait la même erreur. C'est marrant, j'imaginais ça. Plus grand. Oui, bah en tout cas, on est au bon endroit. Je vais nous trouver un coin où accoster. Ah, parce que ça nous conduit maintenant ? Ouais, enfin, au moins. Bon, voilà. La gonzesse fait la gueule. Bah, Ned est dans la merde, hein, mon truc. C'est pas où je vais, mais bon, j'y vais quand même. Bon, on est déjà au 12e chapitre. Après, on arrêtera hein, dès que ça sera fini, bien sûr. Je sais pas quand, mais on va le savoir. On va découvrir que Libertalia n'est en fait une cabane de plage. Ouais, une cabane dans un arbre. Par contre, c'est très beau, hein. Peut-être qu'Avery avait dépensé toute sa fortune à mettre en place sa chasse au trésor. Attends, là-haut. Bon, là, je crois qu'on peut dire que c'est artificiel. Ah ah. Fait par des pirates. Voilà, allez. On y va. On y va. Sans vivre sans toi. Vous montez jusqu'à cette tour. Ouais. Alors, il faut passer par là. Je suis sûr que sa planète, ça existe des vraies îles comme des îles comme ça, abandonnées ou qu'on connaît pas. Je suis sûr qu'il y en a. On a une sorte de vieille tour de guet. Peut-être qu'on verra quelque chose d'intéressant de là-haut. Bon, on y va. Bon, allez, on grimpe. On y va. Oh putain. Ah, faut aller là. Sam, par ici. Ouais. Oh là là. Voilà, comme ça. Ah, ici. Ah, ça, c'est bon signe. C'est une sorte de symbole. Bon, ça, on s'en fout, ça, on s'en fout. Ok. C'est la flèche d'une boussole. Comment ça t'est venu à l'esprit ? C'est un truc que j'ai retenu entre verdants. Faut toujours appuyer. Regarde en bas, c'est le même symbole. Nouvelle flèche. Allons voir dans quelle direction elle pointe. Allez, le bateau est juste en dessous. Ouais. Pourquoi tu n'utilises pas la corde ? On prend la corde pour descendre. Hop, et voilà. Attends, hop, est-ce qu'on peut passer par là? Non, on peut pas. Alors, ça doit être par là, alors. Oh, le tour. Le tour. Et le truc, il est... Il est là-bas. Voilà, dans la gadoue. Et voilà, on y est. Voilà, nous sommes dans le bateau.
Ok, et la flèche, elle amène. La flèche, elle amène. Hop, on fait un petit détour. Elle amène par là. Regarde, notre flèche là-bas. Il y a d'autres flèches là-bas, il m'a dit. Ici. Non, c'est la même. Je comprends pas là. On va aller par là. Là, il y a une flèche ici. Déjà, on l'a trouvé, il y a une flèche là. Une porte géante. Oups. C'est là. Hop, et c'est ici. Ok. Alors maintenant. Que personne n'ait jamais trouvé cet endroit. Ça ferait une super attraction touristique. Bah, et ce gros pilier au milieu de la grotte, on doit pouvoir l'escalader. Ce gros pilier au milieu de la grotte, bah t'es marrant toi. Ah ouais. Ouais, ça pourrait marcher. Voilà. Allez, on monte. On s'éclate. À escalader ce rocher ? Mais oui ! À escalader ce rocher sur une île de pirates géante perdue au milieu de l'océan ! Bon. J'adore le frère. Franchement, le frérot, je l'adore. Et voilà le travail ! On est reparti ! Il va s'embrocher comme ton, comme Tomb Raider. Il avait de l'argent. On en a autant. Franchement, c'est magnifique. T'as bien un truc là à récupérer là. Ah, je le savais. Il y a un truc à récupérer. Et oui. Oh, ça alors. L'entrée principale est bloquée par des débris. Encore. Apparemment, les maçons d'Avry n'avaient pas tenu compte des centaines d'années d'érosion qui avaient suivi. C'est clair. Bon. Un autre passage. Un autre passage. Bah oui, il faut grimper. C'est bizarre. Faut toujours grimper. Hein ? Comme c'est bizarre. Sam, aide-moi à ouvrir ça. Ouais, ok. Voilà. C'est bon, attends-toi. Merci. Il n'y a pas de quoi. Oh. On n'arrête pas de soulever des trucs et de ramper sous d'autres, hein ? Les joies de la vie d'un chasseur de trésors. Je sais pas où je vais, mais j'y vais quand même. Hein. Il est où l'autre? Putain, lui, il prend son temps pour marcher. Hein. Oula, on va tomber. Déjà, il y a une corde là pour aller là-bas. Je veux dire que... Voilà.
J'ai trouvé. Si, si. Voilà, comment trouver quelque chose d'intéressant. Voilà, c'était par là. Hop, comme ça. C'était quoi cet endroit ? Ces arches me rappellent beaucoup celles de la cathédrale Saint-Dismas. Mais je sais pas. Ouais. Moi aussi, je sais pas parce que je connais pas. Et quand on connaît pas, on est. Allez. Allez. Allez le gros, tu montes. Regarde ce que tu peux trouver là-haut. Ça marche. Alors ? Il y a bien un chemin. Mais je vois pas de passage pour monter. Attends un peu. Sam ! Tout va bien ? Au moins je suis arrivé de l'autre côté. Bon alors. Il reste encore à faire traverser. Bouge pas. Oh, mais trouvé, t'inquiète pas. Sam, où est-ce que t'es ? Non, tu tombes pas. Sam, hé, hey, t'es toujours là ? C'est pas vrai. Bon, voyons voir. J'ai ruiné mon mariage. J'ai chassé mon meilleur ami. Je suis pourchassé par deux psychopathes et leur armée. Et maintenant, mon frère a disparu. Quand même. T'as réussi à monter tout seul ? Où est-ce que t'étais ? J'étais en train de chercher un moyen de te faire monter. Allez, faut que tu sautes le plus loin possible. Merci. Est-ce que tout va bien ? Oui, tout va bien. On avance. Ok. Alors, continue. Il y a un truc là. Ouais, on va faire ça. Hé, hey, regarde en bas. Je vois des prises juste en dessous de nous. Ouais, c'est marrant, mais c'est ce que je fais depuis tout à l'heure. Ouais, c'est là. Allez. Ah. Il y a un passage là en bas. Super, je suis derrière toi. Ici. Allez, on fait de là. Comme ça. Maintenant. On passe par là. On va monter par là. Oui, il va bien se tuer un bout d'un moment. Un, deux. Joli saut. Ouais, connard. Sam, là-dedans. Super, on dirait qu'on est toujours sur la bonne piste. Bon, bah c'est bon, on a réussi. On a grimpé. C'est un peu haut. Un peu haut ? T'exagères. Demi-tour, on va passer par là. Là, il y a une tour, là, on peut pas y grimper. Oui, on peut y aller. Il y a même quelque chose. Quelque chose à prendre. Hop, on passe par là. Hop. On était à l'orphelinat. T'imaginais qu'on ferait des trucs pareils plus tard ?
Non, pas une seule seconde. Ouh, putain, je croyais que j'aime votre la gueule. Ici. Bon, on va faire de la glissade. J'attends qu'il arrive, quand même. T'es prêt? Je suis derrière toi. Ça a marché. C'est magnifique, franchement. C'est la deuxième plus grande citerne que j'ai jamais vue de ma vie. Attends, c'était quoi la plus grosse? Je te raconterai ça plus tard. Allez, descendons. Bon, si tu le dis. Sam, tu devrais venir voir par là. Ouais, joli. Ouais, les doigts dans le nez. Wow, qu'est-ce que c'est que ça? C'est plein de matériel ici. Des outils, des graines. Des provisions. Ils sont sûrement périmés aujourd'hui. Bah non, peut-être pas, on va savoir. Peut-être c'est comestible encore. Un prêtre. Oui. Il aime les enfants. Et voilà. Le mécanisme est coincé, on dirait. Oh non, 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 non. D'une façon ou d'une autre, on va y arriver. On va soulever ensemble, ok? Ok. Allez. Pense à cet or qui nous attend. Ouais, pour l'instant, je pense sur toi, mon dos. Moi, j'aurais pas été capable de le soulever. Oh non! Wow. Bon, je crois qu'une nouvelle épreuve nous attend. Ah, mais si, on dirait bien. Bon, voyons ce que ça fait. Ok. Ouais, non, c'est comme ça. Là! Là, normalement, c'est bon. Oh, regarde, des statues, les capitaines pirates. Il y a Bonnie, Baldridge, Albazra et... Oh, je me rappelle plus du nom de celui-là. Alors, dis-moi, qui était ce Albaz? C'est un mogol, l'un des soldats du Gunsway. Qu'est-ce qu'il fait aux côtés d'Avril? Alors, on a un trait, trois traits. Il s'est libéré pendant l'attaque et a fait sauter la salle d'armes. Il est reconnaissant, on verra. Exactement. Et l'autre, il paraît qu'il est sorti de l'arbre. Non, c'est bon. C'est bon. Voilà. Et ça recommence. Qui on a? Alors attends. Joseph Farrell, William Mays, Tariq Bin Malik et Christopher Condant. 8 sur 12. Une croix. Voilà. Je crois que t'as trouvé le truc. Voilà, on a réussi. Le reste de l'équipage. Richard Want, Edward Blunt et Thomas Thieu. Sam, regarde. Je crois qu'on sait où on va. Wow. Attends un peu. Ça ne fait que 11 pirates. Il nous manque notre pirate vedette. C'est bizarre, ça. Alors. Ça pue, hein, quand même. Hein. Bon, je vais. Ok, où est-ce qu'il nous emmène, ce truc? Putain de merde. Et voilà la statue d'Avry qui manquait. Je vais te dire, je commence vraiment à penser que notre ami était du genre légèrement narcissique. Non, tu crois? Ouais. J'ai hâte de voir ce qu'il nous a réservé ensuite. Bon, c'est pas fini?
Ouf. Ouh, ça fait une sacrée chute. Bah, on va sauter. Ben non, on va pas sauter, tu crois quoi? On va grimper. Alors, Nathan, par rapport à tes autres aventures, qu'est-ce que tu penses de celle-là? Il va du franco, hein, tout ça. On en reparlera quand on en aura fini. Si t'es encore en vie. Ben oui, c'est encore en vie. Allez, crois. Casse pas. Ça a pas cassé. Cool. Bon, y a pas d'action pour moi, hein. On a pas eu beaucoup d'action. Le bateau est en bas. Après vous, capitaine. Ouais, on a réussi, oui. C'est bon. Ok. L'île avec la monstrueuse statue d'Avry est à droite. Ton autre droite. C'est tellement éclatant que j'en ai littéralement les mains qui tremblent. Je connais cette sensation. Moi que ce soit à cause de... Oula, il a changé le temps. Attends, on va dans le sable. Alors la statue d'Avry, elle doit être par là-bas. De toute façon, au bout d'un moment, il va nous le dire. Hein ? Il va nous le dire. Le voilà ! La vache, il voyait les choses en grand. Ouais, tu vois ? Il est balèze. On revient ici. Comme au début. On dirait qu'il a une lunette d'approche. Il regarde pas dedans. Peut-être qu'il veut qu'on regarde dedans. Oh là, il y a une tempête. Ça pue du cul, ça, les mecs. Il y a une tempête, moi, je vous le dis. C'est certain qu'on peut grimper dessus. Bon, déjà, j'ai noté un truc. Le frérot, il est pressé de choper son trésor parce que dans moins de 24 heures, il peut se faire niquer. Allez, Sam, viens. Oh non. C'est toi qui passes devant. Si, allez, j'insiste. Bah oui, c'est moi qui me fais tout le boulot, bien sûr, bah oui. Alors, capitaine, qu'est-ce que tu regardes comme ça? Là. Alors, il y a une grosse île en forme de crâne ou quoi? Une grosse île. Mais pas de crâne. C'est forcément là. Libertalia. C'est bien optimiste, étant donné la situation. Tu sais, il n'y a que toi et moi ici. T'as le droit de ressentir ne serait-ce qu'un tout petit peu d'enthousiasme. Ouais, bah je serai enthousiaste quand on sera débarrassé d'Alcazar. Allez. Ok. Quoi? J'ai juste dit ok. Non. T'es ok ne veulent jamais dire ok. En général, c'est même non. Carrément l'inverse. Notre ami Rafe. Qui tu veux que ce soit? Oh merde. Attends!
Le naufragé. Bon. Truc qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là. Parce que ça fait une bonne heure qu'on joue quand même. Là. J'espère que ce numéro de CLP vous aura plu. Rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro. Quand, je sais pas, quand j'aurai envie en fait. On fera l'épisode 13 et 14. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, partager ma vidéo. Et à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous êtes nouveau. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt. Et puis voilà. Allez, ciao, ciao, ciao.